Yahoo Bedivancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo pile à lire du mois de février. Oui, j'avoue, je t'ai déjà posté une vidéo pile à lire, mais finalement comme j'ai acheté beaucoup de mangas, là le jour où je fais mon L8, j'ai acheté beaucoup de mangas ces 8 premiers jours, finalement j'ai retravaillé entièrement ma pile à lire et donc elle va être différente de ce que je t'ai présenté. Donc l'ancienne vidéo d'ailleurs a été supprimée parce qu'elle ne correspondait plus du tout à ce que je voulais lire pour ce mois-ci, donc juste, je suis en train de prendre mon téléphone pour te dire les bonnes semaines et qu'est-ce que je vais lire, quelle semaine, parce que là, carrément, je sais ce que je vais lire chaque semaine, et donc je vais te montrer tout ça. Donc si la suite t'intéresse, bien entendu, continue cette vidéo. Donc, le jour où je filme, on est mardi 8, et donc de la semaine du 7 au 13, je vais... Alors, je suis sur le tome 5 actuellement de Ellie, @Ellie, donc je vais finir la série Ellie. Et je vais aussi lire les tomes 3 et 4 du manga Kuma 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 Beer. Voilà, c'est uniquement ça que je vais lire cette semaine, sauf demain pour moi, parce que donc je te l'explique vraiment en détail dans la partie, la vidéo qui sort, qui sera sortie, qui est sur mes achats. Voilà, normalement tu as mes achats en premier et après tu as mes vidéos pile à lire. Donc juste, je suis devenue modèle photo. Donc voilà pour la première semaine. Semaine 2, donc la semaine de la Saint-Valentin, donc du 14 au 20. Donc du 14 au 20, j'envisage de lire ceci. Donc, alors ça, je te dis ça à peu près dans l'ordre. Me for who I am. Who I am. Non, who I am, non, For in Love, Who I Am. Donc voilà, le tome 1, je pense, faut que je revérifie parce qu'il me semble qu'il est terminé en très peu de tomes, mais en même temps c'est la collection Muse de Ototo, donc j'ai vraiment envie de te faire une vidéo juste sur le tome 1. Donc ça, ce sera pour les deux premières lectures. Après, il faut savoir que en fin de semaine, en fin de la semaine, donc du 14 au... 18, je crois, j'ai perdu. J'ai déjà perdu. Oui, oui, j'avoue, j'ai déjà perdu. Oui, du 14 au 20. Voilà, du 16 au 19 à peu près, je suis pas chez moi. Donc, ça, il y en a certains que j'ai aussi en format numérique. Donc, c'est pour ça que je vais emmener certains. Bref. Je vais lire donc dans la semaine Elio le Fugitif, qui est terminé donc en 5 tomes. J'ai les 3 premiers tomes en format papier et j'ai, je crois, je sais plus où j'en suis au niveau de l'achat, mais j'ai aussi en format numérique. Ensuite, je vais lire les deux premiers tomes de Orimia. Voilà. Et je vais lire le tome 1, voire j'achèterai sûrement sur place le tome 2 de Oshinoko. Voilà. Donc ça, j'espère pouvoir arriver à tout lire. Comme ça, ça fera quand même un peu de contenu dans la fin du mois. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez de quoi je parle par rapport à ça. Il n'y aura pas beaucoup de contenu ce mois-ci au niveau vidéo. Voilà. Pour beaucoup de raisons, mais je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer un petit peu, etc. Parce que ça va, je pense, impliquer la fin du mois de février et tout le mois de mars. Donc je vous ferai une vidéo vraiment dédiée pour tout expliquer. Donc ça, c'est pour la semaine numéro 2. La semaine où toi, tu vois cette vidéo. Et après, il reste la semaine du 21 au 27. Et là, je vais lire donc beaucoup de tome 1. Alors, j'en ai pas pris beaucoup parce que je me laisse la possibilité de rajouter. Et aussi, au jour où je filme, donc je redis, on est le 8, il faut que je commande beaucoup de yaoi, de Boys Love. Donc, dans les lectures sur, après je verrai, hein, je ferai au feeling, mais je vais donc lire le tome 1 de Arte, le tome 1 de Bright Story. Je sais que normalement j'ai tome 2 et 3, mais je vais essayer de faire que, parce que je veux faire que des critiques tome 1, dans ce cas-là. On va aussi avoir Lukja. Je crois que j'ai écrit Lucas d'ailleurs sur mon planning. Oh, papy. En même temps, c'est pas étonnant, j'ai un cousin qui s'appelle Lucas. Et c'est mon cousin préféré. Donc voilà. Et Isabella Bird. Ouais, c'est ça, Isabella Bird. Donc tout ça, c'est des vidéos critiques tome 1 que tu verras tout début du mois de mars. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je veux les lire avant. Et après, je me le laisserai... Ça, c'est vraiment les premiers jours. Je dois charbonner à fond là pour les premiers jours de la dernière semaine de février. Et après, je verrai, je ferai au feeling. Je lirai sûrement des yaoi, etc. Ou des trucs que j'ai en retard. Je verrai vraiment sur le tas. Mais là, je veux vraiment juste me concentrer sur ça. Ne pas mettre beaucoup de lecture
pour aussi respirer, parce que comme je pense que tu le sais sûrement, mais je vais en ce moment beaucoup sur Bordeaux, et quand je vais sur Bordeaux, j'arrive pas à lire en format papier, je lis pas en format papier, et souvent je vu que j'ai plein d'autres choses à faire en même temps que j'en profite, je rentabilise le séjour, le déplacement sur Bordeaux, bah souvent j'oublie aussi de prendre ma tablette, donc je lis pas vraiment ces jours-là. Voilà, grosse boulette. Bref, toujours été, c'est tout en ce qui concerne donc ma vidéo pile à lire pour finalement le mois de février. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire du coup ce que toi déjà tu as lu pour ce début de mois. Donc moi j'ai principalement lu Ellie, j'ai lu le chef de Nobunaga je crois. Et si j'ai lu aussi de Meian, mais ça j'aurais déjà fait une vidéo. Nos différences sont lassées parce que je vais faire la vidéo juste après. Voilà, donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Mes deux précédentes vidéos ici, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, le lien Utip si tu veux me soutenir et soutenir la chaîne pour refaire des Otaku France Tour. Parce que pour l'instant on est bloqué surtout au côté budget. Et lien vers mes autres réseaux sociaux, des codes promo pour pas mal de sites, ainsi de suite. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt!